C'était pas à moi de jouer, c'était à vous les gars, à vous trois. Et après c'était un nouveau tour, ou c'était au sanglier, je ne sais pas. Ah, t'avais déjà joué toi ? Ouais, moi j'avais pris, je suis tombé de 8 à 3 points de vie avec ces putains de sangliers. Ah, oui, quand même, il vaut mieux être sanglier. T'as de la potion ou... Ouais. Le seul truc c'est que... Ils m'ont tous traversé au moins deux fois chacun, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, bah écoute, je vais commencer, je vais essayer de rejoindre un... ...coup cher. Donc, 6... Celui-là, il a été maintenant, en plus. Oui, exact. Il en reste 20, quoi. T'es noir, du coup. Eh bien, bienvenue à S-Max, en tout cas, qui n'a pas pu nous rejoindre sur les trois premières vidéos. Il est enfin ici. On lui donne un personnage qui est complètement... qui est déjà complètement possédé. Hein. Voilà, terminé. Aïe. Ouïouïouï. Le problème c'est que je vais se rapprocher du nom que... Oui bah oui, comme ça on lui tape dessus hein. Bah ouais, comme ça, lui il va me taper dessus ouais. T'inquiète pas, on va le sauver ton nom là. Je vais le sauver parce que si je compte sur ce que vous avez fait, c'est pas gagné. Mais si, bah pour l'instant on se fait des sangliers. Oh punaise. Tu sais, il a fait n'importe quoi. Moi j'ai fait un crâne sur ce son. Sur celui-là, il se défendait à trois blancs. Ouais. Non mais c'est vrai, il arrêtait pas de dormir, il montait sur les portes, ouais, il se téléportait. Il a beaucoup dormi. Ouais. Il a déclenché des pièges. Bah du coup il est mort, non? Ouais. Lui est mort, oh là là, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre. Par contre, quoi. Derrière moi. Les deux sangliers qui restent là, il y en a pas un blessé quoi. Non. Je vais prendre moins 2, je pense, si je ne me défends pas, direct. D'ailleurs, on a triché, c'est à eux de jouer, non? Ah non, ils ont déjà joué, ok. Eh ah oui, non, oui. Ils avaient déjà joué. C'est le moment, faut y aller, les gars. Faut les rebuter, hein. Ils ont assez joué comme ça. Hein. Max fait des trucs. C'est à moi, là? Eh ben, ouais. Oh. Ok. Ouais, donc je vais peut-être pas me rapprocher de vous. C'est bon, hein. Bah sinon tu voulais porter tout seul quoi. Explore, alors, vous êtes sûr de vouloir un impossédé plus des monstres derrière les portes? Enfin moi je peux mais... Déjà la bonne nouvelle c'est qu'étant possédé tu ne tires plus tes dés de piège toi, hein. Ça c'est sûr. Si il les tire quand il joue son main. Mais pas pendant le tour du jour. Ah bon, d'accord. Ouais. Si le possédé, il fallait. Bon alors déjà je vais me déplacer, ça c'est sûr. Donc la pièce elle est sécurisée, donc pas de dés. Ce couloir là est pas exploré. Bon j'ai 5 en déplacement hein, donc Ok. Voilà, je vais me mettre ici. Personne n'avait de carte état au fait. Mais si moi j'en avais une. J'étais en poison. Je me mets ici et je vais lancer un dé de piège. Et c'est tout bon. Ok. Le temps de raccrocher les wagons. Alors tu là, peux sécuriser ce bout de couloir si tu veux. Je fais mon poison. Ouais, par contre, je vais sécuriser ça. Donc on va piocher une carte. Elles sont où les cartes? Là. Merde. Un monstre errant. Je sens qu'il a fait de là. Il n'y a pas de monstre errant. À la place, tu prends une carte de la sorcière. Aïe. Je prends quoi? Tu prends une marque de la sorcière. Un marqueur. Ah oui, bah bien sûr. Donc allez, une deuxième. En fait, c'est une troisième. En fait, c'est une troisième. Alors, je parlais des cartes. Ah oui. Ah oui, pas piège. Donc le lieu est sécurisé. Ok. Et on remélange celle-ci.
Moi, mon poison s'est déclenché. C'est la bonne nouvelle. Promis, tu auras la Légion d'honneur si on s'en sort. Ah ouais. J'espère bien. On te payera une chope à la taverne. Oh putain, c'est... ça c'est petit. Ah non, mais histoire de laver tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, si la piste, l'ordre de ciblage, il a été tiré ou je le tire là maintenant? Non, événement, vous l'avez avancé? Non plus. C'est un bouclier pour l'ordre de ciblage, l'événement, d'accord. Ok. Et donc, les petits. On va voir le dé de comportement de ces sangliers, faut qu'ils arrêtent de galoper partout. Non, ils jouent pas. Ils jouent pas, t'es sûr? Ils ont les mêmes marqueurs. Le nain du chaos, il joue? Oui, le nain du chaos, il joue, bien sûr. Le nain du chaos. Il attaque l'aide. Enfin, je vais pas le jouer moi, hein, je vous laisse faire. Elfier barbare. De toute façon, il peut attendre personne. Bon, attends, je vais le déplacer. Il a combien de points de vie, non? Il a 4. 4, 4, ouais. Lui aussi. Voilà. Ouais, c'est sûr que si tu fais un pas en avant, un pas en arrière, tu vas pas bouger beaucoup. T'as fait 6 là. Non, j'ai fait 2. 2 plus 4. Et... Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Bah, nouveau tour. Hein. Ok, donc là c'est au sanglier. Non, un héros d'avant, okay. Après c'est les sangliers. Ouais. Ok, donc moi si vous voulez bien, je débouchonne de suite ma potion. Ouais. Peux voir un sanglier, veux lui faire un câlin. Soit tu fais ça, soit tu prends le risque de passer en rage. Non, je prends pas le risque de passer en rage. Quand j'aurai plus de potion, je serai en rage. Mais là, là c'est même pas la peine. Alors j'étais tombé à 3 plus 4, donc voilà. Je remonte à 7, mine de rien, ça fait du bien, et à 2 points d'esprit. Par contre, avant de bouger, tu dois lancer tes dés de piège. Oui. Et après, complètement pareil. Ok. Allez, dés de piège. Il faut absolument que... Voilà, ça va, je suis safe. Je vais foncer direct sur l'un des deux, hein, et puis... Tu vas le tuer, bien sûr. Ah bah il faut déjeuner là maintenant. Du sanglier. C'est cool, on va récupérer du jambon. Allez, c'est parti. Allez, deux crânes. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais même plus avec quoi ils se défendent. Ouais. Un des violets, un des blancs. Et ben voilà, il est mort. Il est mort ? Ouais. Ah. Il a 2 points de vie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. À la bonne heure. Ok. Maintenant, c'est à l'autre de s'activer. Fais 2 de s'activation. Fais ça. Et donc, il va attaquer le barbare, bien sûr. Activation normale. Bon, après, il a que 6 de déplacement. Hein. Donc il m'atteindra. Ouais, ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça suffit. Ok. Ça va, il a que 2 dés blancs. Et puis j'ai mon armure de fer, quoi, qui n'a pas servi pour le charge, mais là, ça va le faire, quoi. Ah bah il fait 2 quand même, c'est cool. Ah, c'est bon, c'est bon. Bien joué. Ouh! Il rentre la tête dans mon armure et il est un peu sonné là. Héros suivant. Allez Julien. Julien Clerc, bien sûr. Ah. Même pas l'air à toi. C'est à chier quoi. Ça dépend s'il perd, ça peut aussi. Oui, c'est ça. Du coup, qui joue là? Qui vous voudrez de toute façon. Bon, allez, j'y vais. Je vais essayer. Moi, pour y aller, de toute façon.
bas 1, super. Ah oui, avant de faire ça, je vais faire mon test de... Donc c'est un test de... Est-ce que t'es malade ? En fait, techniquement, S-Max ne peut que nous attaquer à nous et devrait tout le temps nous attaquer à nous, quoi. Enfin, il ne peut pas, genre, se déplacer, partir... Si, il peut faire son tour normal, mais... Si. Parce qu'il est possédé par la sorcière. Il a des moments d'absence. Ouais. Ouais, c'est par intermittence. Il est bipolaire, quoi. Il est bipolaire. Bon, je me suis débarrassé de mon poison. Tu t'es débarrassé de ton poison, bonne nouvelle. Bien. Bonne nouvelle. Et du coup, je tabatte. On commence sous de très bons auspices, c'est bien. Ah bah deux, allez hop. Oh. Défends pas, il est mort. Si, il a deux pour se défendre, non? Ah non, un des violets, un des blancs. Il a trois, ouais. Il a trois? Ouais. Ah, c'est un. Tu le niques. Ok. Sangliogre. ouais, c'est ça, ok. Bon, mais à qui le tour, hein. Tu as fait tes dés de piège, oui. Gravaillou? Non, exactement. Aïe, aïe, aïe. Bah tiens, par hasard. Je te maudis, regarde. C'est la safitude. Ouais. Que le couloir est vachement grand et il y a de l'écho dans ta voix. Ouais. Moi je vais le nommer. Ah voilà, je peux vous l'aimer. Il avait été ouvert le coffre. Oui. Aucune idée. On me fait signe que oui. Qu'est-ce qu'on avait trouvé pour rappel, peut-être? Je sais pas. Trouvé les remèdes, c'est moi qui l'ai. Ah oui, exact, c'est ça. Nickel. Donc, qui jouait là? Ouais, c'était l'elfe. Avec Fronda. Waouh. Tac, les sangliers au caillou, quoi. C'était mon truc le plus efficace. Eh ben, la merde. Non, c'est de la vraie chasse, hein, si tous les chasseurs attaquaient à l'arc et aux pierres. Ils auraient beaucoup plus de mérite. Hein. C'est vrai. Que de dormir dans un champ en attendant que. Eh ben il reste notre nain national à jouer. Bah, je vais me balader de nouveau vers le couloir, quoi. Ouais, donc j'ai 7 de déplacement. Ce serait bien que tu aies au moins de crocheter la porte. Ça sera fait. Bah j'aimerais bien, mais je peux pas. Ah oui, il a même pas assez de déplacement, quoi. Donc bah fini. Ok. Par contre, si tu fais une action course à ton prochain tour, tu pourras... Mais bon, on va te rejoindre d'une manière ou d'une autre, là, il va falloir... Ah, bon, j'aurais pu faire une action course. Ouais, tu rajoutes un, mais... et puis on dit oui, c'est bon, quoi. Ouais, mais faut que je tire un dé de piège. Oui. Ouais. Oui. Même si c'est sécurisé. Ah, trop réussi. Non, c'est sécurisé, donc... Bah oui. Ah oui, c'est vrai, donc, je l'ai fait avant. Ouais, c'est bon. Je suis devant la porte, alors. Donc il y a pas ni problème. Donc événement avance et ça se déclenche. Donc il y a un héros de notre choix pour équiper. Si il court, il lance pas les dés même si c'est sur un lieu sécurisé. Ah bah ouais, si c'est sécurisé, il y a piège, quoi. Ah, je croyais que si tu courais, c'est relancé quand même, quoi. Non. Que dans les lieux sécurisés. De toute façon, les dés pièges sont jamais lancés. Dans des lieux sécurisés. Une spéciale course. Je ne vais pas me dire que ce pingre il se trimballe le coffre quand même. Si.
Tiens, un coffre vide. Bon, il y a un événement qui se déclenche, les gars. Donc S-Max, c'est toujours lui qui a des... Ouais, bah, c'est... il est pour toi l'événement, S-Max. Vous avez l'impression que quelque chose dévore votre esprit et votre corps. Bah oui. Donc tu dois perdre un point de vie ou un point d'esprit par marque de la sorcière que tu possèdes. Ouais, aïe. Tu peux répartir les pertes comme tu veux. Oui, bah oui. Le nain, il a des pertes. Le nain a des pertes. Oh, vache. Il a les yeux blancs maintenant, c'est fini quoi. Bon bah voilà. Des veines bleues qui parcourent son visage. Du coup, lors de siège. Et ouais. C'est un crâne. Voilà, c'est un crâne. Et le nain attaque le barbare. Sinon, il s'attaque lui-même. Il s'auto-tape. C'est bien ça. Ouais. Ça doit être rigolo. On veut juste se rapprocher de nous, de toute façon, on est. Ça doit être rigolo de voir un nain qui se tape sur la tête, quoi. Il fait 3. Il est à combien de points de vie? Il n'est plus qu'à 2. 2? 5. Ça fait 5. Mais il revient. C'est un bon dessin. C'est vrai que là, il est complètement bugué. Il part, il revient, il sait plus ce qu'il fait, quoi. Ça craint complet, quoi. Il est en train de laguer. Baisser à nous. Nouveau tour. Je te quand même à pour rappeler que je passe un mauvais moment. Ouais. De toute façon, le seul moyen de couper ça, c'est de qu'on ouvre des portes et puis... pour essayer de te libérer. Mais ouais. Je ne reviendrai plus jamais. Oh. C'est pour ça que le top ce serait que toutes les portes et puis je passe. Regarde, il s'occupe de s'engueiller pour qu'il ne se fasse pas réattaquer derrière. En même temps, c'est son rôle. Ok, donc je frappe le sanglier. Allez, 1. Ouais, il a plus qu'un point de vie si je ne m'abuse. Allez. Ouais. Si tu veux bien ne pas te défendre, ça nous arrangerait. Ah bah super. Merci. Ça fait un sanglier de moins, quoi. Et je vais me déplacer et je vais rejoindre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, on est. Faut pas. Si on fait le tour par là. Ouais, vaut mieux pas se frotter au nez dans l'immédiat là en plus. Ouais, je vous l'accorde parce que je suis énervé là. Bon, il oh putain. Il attaque avec un dé, ça va. C'est legit. Ouais, mais bon, si on commence à se taper dessus, on risque de perdre. Ouais, c'est sûr. Quelqu'un. Tu lances tes dés de piège avant. Ouais. Ok, je suis safe. 6 et 7. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, tu vas par là. Tu veux par là. Sinon, on va se frotter au nez, on va devoir se tabasser sur la gueule. Non, les pièces sont là, de toute façon. Non, on va être obligé de le contenir, mais il va bien falloir qu'on s'en approche. Hein. On n'est pas en confinement, 6, quoi. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Distance de sécurité, avec le nom. Voilà, mais c'est pas contagieux. Je vais me mettre sur la case 2 et puis voilà, Inch'Allah, hein, les gars. ouais, comme tu dis, Inch'Allah. Carrément. Un piège dans la gueule. Oh putain. Putain, piège. Ouais, j'aurais peut-être mieux valu sécuriser avant de se déplacer. C'est-à-dire que je venais de taper le. Oh, il faut que je. Wow, mais c'est énorme comme piège ça. Là c'est un jeton au centre du jeu, au début de chaque tour sorcier, le joueur sorcier, eh bien, oh là là, j'ai bien fait de bouger quoi. Ouais. Ok. Et puis bah, il est un déco, il est obligé de rester. Comment tu définis le centre du lieu?
Ah bah non, mais de toute façon, dès que t'as un chou comme ça dans un lieu, ça parle tout le lieu. Peu importe où il est placé. En fait. C'est bien. Ah oui, au centre. Du coup, il faut lancer. Des blancs. Non. Au début de chaque tour des joueurs sorciers, le piège s'active. Pour l'instant, il s'active. Si tu dégages maintenant, il s'activera, mais il touchera personne. Ouais. Ah, c'est qu'on est tous les bons rôles. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça touche aussi les monstres. Donc on peut s'en servir pour nous. Par exemple, on envoie les monstres dans le couloir et puis ils se font défoncer à chaque fois. On va pas les envoyer là. Cette figurine au fond là, à côté de la bougie là, c'est bien, c'est Mentor ou c'est Morcar ça? C'est un peu les mêmes personnages. Hein. Ah ouais? Il y a une espèce de polémique là-dessus. Et ouais. Mais en toute logique, c'est Morcar. Ils en vendent pas des figurines Morcar, hein, vous? Vous ne connaissez pas de miniature? Moi je reconnais bien la figurine, c'est une figurine de Games Workshop, c'est un trop ancien. Non. Et à mon avis, donc custom avec une tête spéciale. Je dois rajouter de la pâte. D'accord, ouais, il a été resculpté avec de la pâte. Tu peux la trouver telle quelle, sinon exactement. Ok, j'irai chercher ça quoi. Lui, le jour où on va le voir sur le plateau, en vrai, ça va être beau quoi. Un pack qui coûte 20 balles, un truc comme ça, tu dois avoir 3 sorties de. Et ils sont classe. Parce qu'en plus, on a la figurine. Si un jour tu dois faire le dernier compendium avec. Voilà, on l'aura quoi. Ah bah j'aimerais bien, mais ouais, il y a du taf. Et ouais, il y a du taf. D'ailleurs, David, t'as oublié de repiocher une carte parce qu'il était pas sécurisé. T'avais un piège, t'avais pas pioché de bas de piège. Mais je suis tombé sur un piège. Ouais, mais. J'ai lancé mon bas de piège, je me suis. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais. C'est pas. J'ai pas tenté de sécuriser. Okay. Après j'ai couru. Et ouais, c'est ton tour. À moi. À droite, aux quêtes de sorcier de Morcar. Recompiler ou quoi? Elles sont finies depuis au moins un an, figure-toi. Mais je les ai pas lâchées quoi, parce que il faut que je les teste. La dernière. Ouais. On testera en jeu, hein, pourquoi pas? Ouais, oui. On les tester, ouais, sur Tabletop. C'est à moi là, non? C'est à toi. Oui. C'est à toi, ouais, S-Max. Ouais. Alors. Donc j'ai 6 déplacements. Par contre, je sais pas trop où aller pour pas vous faire chier. Bah, tu vas forcément nous faire chier. Ouais. Ah, voilà. Ouais, faut le laisser comme ça, il est possédé, hein. Ça, c'est legit, hein. C'est. Il est bien. Ouais, c'est marrant, ça me plaît bien, on va le laisser ici. Il fusionne avec son coffre et tout, ça va pas du tout, quoi. C'est trop nain. Il est. C'est n'importe quoi. Ouais. Tour du joueur sorcier, on avance les deux. Et là, c'est. Voilà. C'est bon? Hop. 25. En événement? Non. Je veux pas savoir. Il y a un dernier événement encore, mais là c'est terminé quoi. Tu veux dire si on arrive à l'événement 25? C'est ça. Je crois que c'est pas bon signe pour cette. Ouais. Et du coup le nain il attaque l'elfe. Sinon le clair, sinon le barbe. Y a assez en déplacement là? Bah je sais pas, faut lancer. Il a l'air énervé quoi. Il est sur la porte, il est chaud là. Oui, la porte. Avec un des noirs. Moitié coffre, moitié nain.
Et il en a bondi jusqu'à la ligne. Ah, les références de Roger, c'est énorme. Bah du coup je vais lancer les deux d'attaque hein. Je vais m'en charger. Ouais complètement. Ouais, ta schizophrénie. Un noir et un blanc. Alors, non tu lances juste un noir. Tu te rends pas compte de ton équipement. Donc ça va. Ah ok, d'accord. Oh, c'est pas bien méchant. Un crâne. Ok. Mais qu'est-ce qu'il prend, enfoiré? T'es en train de me taper. Je me vengerai. C'est bon. Le barbare qui regarde la scène, mais dans le vide, parce que voilà. Parce que c'est un barbare, tout simplement. Il analyse rien, quoi. Voilà, exactement. Ah non, je passe. J'ai même pas fait de blague sur les mains. Ouais, c'est défendu. Ok, nouveau tour. C'est défendu. En même temps, le nain qui attaque l'elfe, c'est assez legit hein, sur un... Oui, tout à fait. Sur un aspect RP. Ouais. Complètement. Non. Mais bon, je pense qu'après la quête, faudra l'envoyer chez le psy. C'était un imparfait, quoi. C'est un imparfait. Allez-y, hein, les gars. Je... Oui, bah écoute, moi je vais avancer, je vais passer par-dessus, je vais faire du saut de nain, je vais passer sous les jambes de l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je me mets devant la porte. On fait sous les jambes. Et puis je vais défoncer tout ça, quoi, on va avancer là maintenant, parce que... Ouais. Effectivement. Le temps presse. Qu'est-ce qu'on a? 2 dés de défense. Bon, allez, ça se joue. Ça se tente. Je dirais que le crochetage, il se tente. Ouais. Elle a quand même 4 points de vie la truc. Ouais, elle a 4 points de vie, mais elle a que 2 dés pour se défendre. Et moi j'ai 3 dés pour attaquer. Mais je sais pas. Allez. C'est vrai que niveau RP, j'ai du mal à faire crocheter le barbare. En fait. Je comprends bien. Ouais. Il est où le dé noir là? Ouais, il est là, nickel. Allez, c'est parti. On a plus. On n'a plus la prière, hein. Non, on l'a plus. Ok, première tentative. Ouais, oui. Déjà, je lui fais sauter deux. Deuxième lancer. 3. Bah, faire un, il lui reste un. Allez, barbare, allez! C'est ce que tu sais faire de mieux. 1. Et c'est bon, et gicle. Ouais, ça c'est fait, la porte est ouverte. Donc qu'est-ce que j'avais fait moi? Si j'étais pile poil devant la porte ou quoi? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en D j'avais fait, bon je pénètre de toute façon. Parce que juste avec mes points de vie, je peux arriver devant la porte. En défonçant la porte, tu trébuches à l'intérieur. Comme une brute épaisse quoi. Je me vautre. Je tire de suite mes dés de piège. Hein, tac. Ah, c'est bon. Oula, il y a de la tartine sur la pièce. Je suis safe. En pénétrant dans cette pièce, vous regardez. Votre regard est attiré par des yeux luisants dans un coin sombre. Vous pensez immédiatement à un petit animal, mais ce qui vous frappe d'effroi, c'est que ses yeux sont sans nul doute possible humains. Vous approchant plus encore, vous déclenchez la fuite soudaine de la créature, ce qui fait choir bon nombre d'ustensiles imposants et poussiéreux en un vacarme de métal et de verre brisé. Vous parvenez à identifier cette créature comme étant un gros chat noir. Cela, malgré la vivacité de l'animal, a s'échappé par un interstice étroit du mur. À peine avez-vous repris vos esprits que vous percevez des craquements sourds. Et à votre grande stupeur, vous apercevez que le buffet s'approche de vous. Le buffet s'approche de vous. L'une de ces lourdes portes s'ouvre avec violence et fracas, vous projetant à travers la pièce et vous laissant dans un état second. Le héros qui a ouvert cette porte est immédiatement projeté dans l'un des coins de la pièce. Choisissez le coin le plus éloigné de la porte d'entrée et placez la figurine du héros à cet endroit. Donc tu perds un point de vie et tu reçois une carte état assommée.
Ok. Et est-ce qu'on peut coucher la figurine? Pas la retourner, la coucher par terre. Bonne question. Techniquement, si on joue avec le meuble. Si on le joue, ouais, enfin, bon. Placer un buffet au centre de la pièce. Au centre? Oh, oui, il est très bien ici. Hein. Il est considéré comme un monstre et s'active à chaque prochain tour du joueur sorcier et avant d'activer tout autre monstre. Tu joueras avant demain, quoi. Voilà que maintenant on se bat contre des buffets, putain. Il a 4 des blancs en défense. Oula. Il a 6 points de vie quand même, hein. c'est un buffet normand. Et il se déplace de 4. Il a une capacité massive, tout héros blessé par le buffet reçoit une carte à état assaut. Ok, c'est un buffet en à chaîne. À noter qu'il est sensible au feu. Donc si on lui fait des dégâts de feu avec une torche... Il y a l'elfe qui a une torche. Hein. Mais elle est éteinte. David ! Ah oui, elle est éteinte. Ah bien, tu l'as couché, nickel. Est-ce que quelqu'un a des sorts de feu ? Non. Oui, feu. Non. Bon bah ça nous servira pas. Je ne suis pas pyromane. Donc bah tous sur le buffet. Maladie, mutation, gelée, étreinte, assommé. C'est le buffet. Petite carte assommée que je vais laisser à proximité ici. Tac. Par contre, il est pas dit pour ce terme. Buffet contre les vampires. Non, mais il est sérieux. Moi j'aime bien, ouais. Moi je suis Kenny. Ouais. Donc. Bah tour suivant alors. Oui, j'aime beaucoup le nom en allemand qui est quand même Buffet, une bande de bébronnes. Alors les mecs, je sais pas ce que vous avez pris mais j'en veux. Lâche-toi, c'est tout. Tu peux te lâcher. Ouais. Ah ça va être un beau bordel dans 5 minutes alors. On est bien là. On est chez Roga. Bon allez, je joue. 3. Le nain me bloque le champ. Et puis bah j'attaque le nain. Et j'attaque le nain. C'est pas bon ça. Non bah écoutez, je... Rien. Si je pourrais prier éventuellement. Mais... Ah ça c'est une idée. Bon allez, je m'entends dessus. Faveur divine. Oula. À tout moment. Donc, je peux rendre 2 points de vie à quelqu'un. Personne a chopé le point d'esprit de. Tout à l'heure, l'événement. Ah oui. Oui. Quelqu'un de veut. Pour moi, je. Bah, écoute, moi, je vais me guérir. Hein, faire le égoïste. Je propose de le foutre carrément. Smax, parce qu'il a quand même bien souffert. Ouais, exact. 2 points de vie, Smax. J'ai 2 points de vie. Ah ouais, bah vas-y, bah récupère 2. Hop, voilà, je te les ai mis. Tu peux pas partager ? Je te les ai mis. Non, je peux pas partager, bon. T'es non, mais tu les mérites, pas. Tu les mérites. Ok. Et bah, par merci. Contre, je perds la carte. Ah, j'entends la musique, ça c'est bien. moi j'ai joué. Suivant. Super étrange d'ailleurs, hier j'ai uploadé, enfin j'ai programmé la dernière vidéo, il y a du Conan sur la 15 dernières minutes, aucune réclamation quoi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que les voix elles trouvent la musique et le robot YouTube un peu. Ouais. Je veux bien aller taper le buffet, mais. Avec tes pierres là? Non, t'es une arme. Une arme. Et ouais, c'est pas plus mal avec des pierres. Sinon, tu lui fais une tempête sur la gueule, quoi. Ouais, c'était. Comme ça, ça nous laisse le temps d'essayer de le détruire. Tempête, ouais. Tempête. Je crois que ça va être. Buffet.
Ouais, il me semble que t'es obligé de piège regard d'ailleurs. J'ai... Si, je les ai lancés, j'étais safe, hein, tout donc à l'heure. T'es rentré dans la pièce. Ouais, direct. Ah, d'accord. Par contre, bah, là, c'est très cher. Ouais. Eh, va donc taper le buffet, ce Max. Ouais, on va faire ça. Il a une partie des plus intéressantes, là, je trouve. Oui. Ah bah ça m'occupe. C'est le truc que je vais savater, c'est un meuble en bois, donc bon. Ah ouais. Ou alors tu ouvres l'autre pièce. Non, je vais attaquer le buffet. En plus, je peux me mettre devant et je l'attaque. Ok. Il se défend à 4 blancs. Donc avec un noir et un blanc. Ok. Ah, c'est vrai qu'elle est bizarre cette quête. Bon, bah un crâne. Ouais. Oh, ce buffet est vraiment solide. C'est du bon bois à l'ancienne. Comment on fait plus? Ah bah ça c'est du bel ouvrage. Ah oui, l'épaisseur des portes là, c'est au moins du 20 cm quoi. Bon bah comme tout le monde a joué, on avance l'événement. On est au 23. L'ordre. C'est un crâne. Ah, oui. Sur quel ordre de ciblage il se... Le buffet? Ouais. Le buffet, il est sur eux. Ouais. Oh, rien n'est plié. De toute façon, je l'ai bloqué, moi, le buffet, je l'ai. Du coup, c'est lui qui joue en premier, il attaque le barbare. Barbare. Il attaque le barbare, hein. C'est pas... Ouais. Je peux même pas me défendre en état assommé, là. Ah mais non, je suis con, il a une tempête. Oui, mais est-ce qu'il a résisté parce qu'il doit tirer quand même un dé et obtenir un crâne noir? Non, je crois que c'est automatique. Ouais. Non, c'est écrit sur la carte. Il y a écrit... Passera son prochain tour à moins qu'elle n'obtienne un crâne noir en lançant un dé de combat. Agro-gourou, je suis le buffet. Ok, il résiste pas, donc il passe son tour. Ah oui, exact, je croyais que c'était auto. Ok, super. Grou, je suis le buffet. Du coup, le nain, il attaque le barbare. Ah bah voilà. Pourquoi moi, quoi? C'est trop facile. Hein. Attendez que je me réveille. Être à la place du nain, tu peux taper les mecs et sans qu'on lui en veuille. Quoi. Et donc j'attaque avec un noir. Un noir et un blanc. Non, pas mon équipe. Ah, non, c'est bon. Et je fais une tête de mort. Ok, et eh bien je perds un point de vie gratuit. Mais non, tu peux te défendre, regard. En état assommé? Bah t'es pas inconscient, t'es assommé. C'est pas marqué sur la carte, pas bon. Te défendre. Écoute, ok, allez. Si c'est valide, bon. Oh là là là, attends. T'as pas 4 dés de défense? Non, j'en ai... Ah si, j'ai 4 dés, bien vu. Avec ton armure. Allez. Aïe. Donc, commence par prendre ça derrière la nuque. Attends, j'utilise un point d'esprit parce que c'est gratuit. Et je vais retenter ma défense. Non, tu devrais les garder. Parce qu'avec l'état assommé, tu peux perdre des points d'esprit. Ah ouais, tu vas les perdre. C'est pas faux. Bon, allez. On a plein des points de vie. Je tombe à 5 donc. Ok. On est bien. Nouveauté. Du coup, il faut bousiller ce buffet. Ouais, un tour, donc j'ai perdu la tempête. Endurance crâne, à mon tour, je ferai mon test. La scène est plus que bizarre. On a un nain coffre, un barbare couché, un buffet en vie. Ça commence à devenir tordu, quoi.
Bah vas-y, barbare, commence toi. Ok, je vais essayer de me réveiller. Il faut que je fasse un crâne. Oh. Et voilà. Ah, il veut plus se réveiller. Ah mais moi je l'ai un peu modifié pour qu'il puisse être là. Ah d'accord. Tu modes le jeu en jeu. C'est... Déplacé d'une certaine façon. David, le modeur fou. Pour le spectacle. Ok, du coup je me suis réveillé. Je me suis réveillé, je peux attaquer le buffet là ou... Ouais. Attention, dé de piège, début de déplacement, dé de piège. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc 2 dés piège. 4 dés de piège. Je tire les 4 d'un coup quoi. Ouais. Allez, on va voir ça. Ouais. Alors. Ouh, ronce ah, maléfique. Ouh là. Détectable. Ah, c'est détectable. Ouais, mais non, là, tu l'as déclenché. Donc. Ok, donc ça me tombe dessus. Le barbare, il ramasse. Mmh. Il est là pour ça. Hein. T'es attaqué direct avec 2 dés blancs. Oh, et putain. Soit une carte état étreinte maintenant. Putain, je suis pas mieux, quoi. Je vais faire des bisous. Donc les ronces, elles n'attaquent pas, hein, visiblement. Non, pour rien. Ok. Non, mais j'ai une desktop. Elle se défonde à 4 dés. Et à 3. Et là, en étant étreint, je peux les attaquer. Je sais pas. Regarde. Me semble pas. Il faut, de toute façon, il faut que j'attende mon prochain tour. Si, pour... si, tu peux attaquer. Ouais. Ok, bon, ben. J'étais sur le buffet, je suis sur des ronces maintenant. Ça devient vraiment bizarre. Ok, un crâne. Et elle se défend avec 5. Non, 4. 4. Ouh là là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouf. Des ronces qui vont arrêter un pagne. Putain, elle est quand même héroïque si on s'en sort. Par contre, du coup, t'es plus étreint. Ouais, je ne suis plus étreint. Exact. Ok. Bon ben moi mon tour est passé là, hein, non? Bah oui du coup, oui. Ok. Je parle au buffet. Un gros gros. Bah je vais essayer de vous rejoindre. Non bah l'aide, tiens, t'es à côté. Ouais, moi je suis à côté. Ouais. Je peux faire un lancer de pierre. Wow. Ah, pas mal pour des pierres. Pas mal. Je suis sur le bois, sur le vernis. Effectivement quoi. Et en plus tu le... Bah dis donc, il aime pas les pierres. Tu le blesses quoi. Il est... Il tombe à 4, d'accord. Et combien de points de vie, Claudia? Il avait 6. J'ai mis un dé. Ouais. Super. Il tombe à 4. Voilà, nickel. Ok. Bien joué, David, hein, parce que... C'est déjà ça, quoi. J'ai joué, nickel. Ah, mais il est loqué, en fait. Ouais, je l'ai loqué. Du coup, je fais n'importe quoi. Parce que là, je me suis mis devant. S'il veut cibler quelqu'un en se déplaçant, il ne pourra pas. Hein. Non, mais je peux même pas le taper. Bon. Et merde. Pour un piège. Ah. Ok, ouais, je me tente une prière. Grâce divine, pourrait ramener un mec qui meurt. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça
serait pas judicieux de tuer le nain du coup en attendant? C'est pas faux ce qu'il dit, hein, on pourrait tout faire. Mais... ouais, et ça, le... ça se réfléchit. Ouais. L'exorciser. Il va jouer là. Ah bah non, il reste le nain à jouer. On pourrait l'exorciser quoi. Si le nain, bah, si le nain tue le buffet, moi je. Ouais bah écoute, je vais essayer d'y aller quand même. On aura mérité ça. Ouais, je fais un crâne. T'as pas d'esprit à dépenser, non? Non, j'ai que un point. Bah, il perd un quand même. Bien joué! Ah, j'avais deux points. J'aurais pu. Bon, tant pis. Ah. C'est vrai que moi, j'ai... Enfin... Donc, on avance événement. Et là, vu qu'on est devant le buffet, il peut pas se déplacer comme ça, hein, si. Il va avoir du... Il va avoir du mal. Hein. Lors de ciblage, ouais. Il y a les deux tanks devant, bon. Il attaque l'elfe. Buffet ou pas buffet. Non, ben l'elfe, là... il peut pas. Il peut pas. Donc c'est barbare. Ok. Ça, il peut. Qui attaque? Le buffet. Le buffet attaque le barbare. C'est que ça paraît c'est bizarre de le dire. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Il fait un crâne, c'est tout. La quête la plus bizarre que j'ai jamais faite depuis que je rejoue. Ah bah c'est bon, tu t'es défendu. Ok. Et du coup, le nain, bah, il attaque le barbare aussi. Allez, c'est parti. Non, pardon, il attaque l'elfe. Ah. Il aime pas l'elfe, hein, décidez-vous. Et un crâne. C'est de la folie, quoi. Ah mais c'est clair, hein, les deux ils s'aiment pas du tout en vrai. Bien, bien. Tu es bien sous le dévers. Bien, 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 bien. Pas si terrible que ça, non. Ok. Nouveau tour. C'est pas mon ami quand même. Nouveau tour, je vais frapper comme une brute ce buffet à la con. Allez, 3D. Maintenant ça suffit, buffet. Tu vas fermer tes portes. Ah c'est bon, il est mort. Non, il perd deux. Il lui reste un. Ah, il lui reste un. Il est à 3, ouais. Bon, ok. Ok. Mais non. Mais clair que viens. Oui, Phoebe aussi, viens, buffet. Viens m'aider à coup de fléau. Hein. Pour ceux qui ont la référence à Friends. Alors attends, oui, je l'ai. Piège à la fin. Phoebe buffet, c'était bien envoyé quand même. Je tape le buffet. Avec mes deux pauvres. Bah je fais un. Allez buffet. Ouais, il se défend. Eh, mais... De merde, merde. Oh, bah moi j'ai joué. David, si tu peux lancer une pierre pour finir le buffet. Je peux lancer une pierre. Le nain a peut-être plus de chances de finir le buffet. Oui, 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 oui. Ouais. On a deux assauts consécutifs, quoi qu'il en soit. Vous voulez que j'y aille? Allez, vas-y, ouais. Vas-y. Je vous rappelle que c'est quelque chose. Cette pièce n'est pas sécure. Hein. Oui, la pièce n'est pas sécure. Il faut que tu lances tes pièges, ce match. Au début de ton déplacement, là. Voilà. Et j'avais fait un crâne. Ah ouais. Ok. Tu peux pas cramer ton point d'esprit. Non mais il est safe, c'est pour le crâne. Ah oui, oui, oui. Ok, ok. Si, je vais faire ça et je relance. Le crâne était sur le noir ou sur le blanc? Sur le blanc. Il était sur le noir. Enfin, pour l'attaque, il était sur le noir. Pour la... le piège, il était safe. Je relance alors? Bah ouais. Et deux crânes. Ça c'est. Bien joué, bien joué. Allez, adieu voilà. Buffet. Et voilà. Le buffet enfin. Aïe aïe aïe.
reste l'elfe. Ah, je crois que les chiens sont de retour, ils nous ont retrouvés. C'est... c'est chez moi. Je relance une fois le dé de piège. Je l'ai lancé au départ, mais j'ai pas lancé à l'arrivée. Ah, ok. Là, c'est pour bon. Info, le buffet peut être fouillé en fait. Ouais, on se doute. Donc. Bah, tu peux y aller, David. Tu peux y aller, non, ouais, ça va être difficile de te mettre adjacent. Ouais. Ouais, malheureusement. Bah, chercher un trésor. Le petit trésor. Tu vas chercher un piège là, non? Ouais. Ouais, bah. Et Nouveau tour alors. Oui, safe. Tour du joueur sorti. Donc tu as un événement de la pièce. Moi, je vais sortir. Quelqu'un peut récupérer. Ah, attends, je me barre là-bas. Quelqu'un peut récupérer un esprit si vous voulez. On est tous à un là. Il y a deux avec le barbe. Ah, si. Bon, bah le nain ou. Ouais, le nain encore. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Pour l'événement. Vous êtes prêts? Ouais. La demeure tout d'un coup devient vaporeuse, puis translucide, et disparaît peu à peu de vos yeux. Les murs semblent se replier les uns sur les autres sans un bruit, comme aspirés par un vortex invisible. Vous vous retrouvez alors dans une clairière vide et paisible, vous demandant si vous n'avez pas rêvé les malheurs qui vous sont arrivés dans cette bâtisse de l'enfer. La quête se termine ainsi brusquement. Si les héros ne sont pas parvenus à vaincre Kezia à ce point précis, leur quête se solde par un échec et ils ne gagnent aucune récompense. Oh, que c'est triste! Eh oui. Oh, la Kezia est... Au moins, le nain est libéré. Donc on est dans la clairière, c'est ça? Bah ouais. Eh hey, les mecs, j'ai une histoire trop drôle à vous raconter. Vous êtes fait attaquer par un buffet, c'était pas en fait. C'est marrant, j'ai rêvé la même chose. Bon, le coffre il appartient au manoir, il disparaît aussi. Hop. Bon bah voilà. Bon bah partie palpitante pour le nain. Oui. C'est un échec cuisant. Bon, en fait, on ne sait pas si on l'a vécu ou pas. Oui. Genre on... Tout voilà. Ça c'était peut-être un rêve. Voilà, c'est ça. Ok, ah, fantastique. Après, on a eu la mauvaise fin, quoi. Heureusement. Tu me diras, et là... J'avais pas vu, vous avez mis une bougie dans la cheminée. Ouais. Ouais, j'ai tenté de faire ça. C'est quand même du... Du coup, on a pas gagné grand chose là. Regardez au niveau de la clairière là, il y a quelque On est hanté par un buffet. Allez, c'est parti. Étape de ville après l'échec cuisant de la sorcière Kezia. Alors attends, avant tout, on a un événement bandit. Ouais. Alors, ça c'était sûr. Il n'y a pas d'autre événement. Je suis là du monde. Ok. Ouais, bah ils demandent 200 balles les bandits. Ou sinon on peut leur foutre sur la gueule aussi. Ouais. Parce qu'on les a pas de toute façon les 200 balles. Ouais. Non. C'est le rack. On se fait racketter dans une ruelle quoi. Autant de monstres éclaireurs. Ok. Là. Ouais. Donc ça fait 6 éclaireurs. Search. Les éclaireurs. Éclaireurs. Ok. Bon, on va les copier. Ah, vous les avez déjà? Ok. Bon, une troisième.
C'est bien, ça va nous apprendre à... Parce que là, c'est toujours pareil. Comment, sur quel ordre de ciblage se base-t-il? Bah, tu les mets en A. En A, ok. Voilà, quelques petits décors sympatoches. Nickel. Bah, ouf, la fin. Un petit tonneau, c'est sympatoche. Bah, tu vois, le tonneau, je le vois pas. Ah, le tonneau, tu le vois pas. Tiens, ouais, tiens. Je vois un gros cube blanc. Ah, c'est pas grave. Moi, je le vois. C'est parce que t'es un elfe. Tu es mis à la... Tout est... Il est tout préchargé. Les gros mots qu'il dit, c'est dingue. Nictalope. Bah, vous imaginez que c'est un tonneau. Ouais. Eh bien, il y a du monde. Ouais. Ils attaquent avec quoi, les éclaireurs? Avec d'accord. Tu les vas-y. Conserver pour la prochaine quête. On tient pas compte de. J'ai oublié de le préciser de leur capacité de défense. D'accord. Il y a des cartes éclaireurs. Hein. Ils ont combien là? C'est des 2-3 en point de vie. Des plus de 9. Ok. Ok. Eh bien voilà, prise à partie par 6 malandrins dans une sur une place publique. Nos héros vont devoir se défendre. Bon bah je crois que c'est à moi a priori. Ouais. Ouais. Pas de déplacement et de conneries comme ça sur une phase de ville, hein. On s'en fout. Si bah là on joue comme comme en mode de en combat. Ouais bah je vais me faire le premier. Et je l'attaque. Et de crâne. Oulé. Bien. Ouais, ils se défendent pas. Là, il est à où? Et ils ont 2 points de vie chacun, hein, c'est ça, hein? Non, un seul. Un seul? Ok. Ouais. Eh ben, nickel. Ça, c'est déjà fait. C'est à eux de jouer. Du coup, ils sont vraiment là, c'est le type normal. Et c'est en bas. Claire. C'est pour le clerc. Le clerc. Claire, elfe, non. Déjà, ils vont faire le clerc. Allons-y. 2D. Hey. Je m'en prends. Aïe. Bon, on a pas mal de cartes guérison, hein. Je crois qu'on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, mais... Bah, on aurait... J'aurais bien... leur refilé, mais ils n'ont pas... Ah oui, alors... Hey, tu switch? Ouais, je switch. Disons qu'au pire des cas, quoi, hein. Je dis que bon, voilà. C'est bien. Pareil, 2D. Ok, il fait rien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, je dis c'était le LED. Ouais. Ouais. Défendu. Défendu. Oui, c'est pour le...
Que dalle. Ok. Il y en a un qui aurait pu aller là. Et le dernier pour le barbare. Ah exact. Ah oui, voilà. Si on veut, on aurait pu répartir mais... Non, c'est bêtement l'ordre de ciblage. Bon, c'est bon, tu te défends. Bien joué, bien. Défendu. Ok. Ah merde, c'est un bon sens, j'avais pas vu. Et toi? Eh ben, j'attaque celui qui passe à moi. Ok, t'as rajouté une option, David, direct dans... Non. C'est moi qui l'ai mise. Ah, c'est toi qui l'as mise, d'accord. C'est pas mal. Ah, ben ouais. Super. Donc je fais un crâne sur lui, là. Ok, ils ont combien? 3 en défense? Ouais. Ouais, il meurt. Très bien. Ça en fait un de moins. Si je peux me rapprocher, je vais venir vers chez vous, là. Histoire de compenser un peu, là. Et je vais attaquer celui qui est en face de moi. Comme ça, l'elfe est soulagé aussi. C'est parti. 2 dés blancs. Allez. 2 crânes. Et il gicle, celui qui est en face de moi là. Je l'ai pourfendu. Je suis l'idée sur faire exprès. Mais... Il faudrait que tu cliques sur ton nom en fait, regarde, et tu mettes cette turn. Tu peux mettre N turn. C'est con par contre, c'est qu'il manque le tour du joueur. D'accord, ok. Ok, ok. On va rajouter une condition. On rajoutera un autre truc pour le faire. Ouais. Mais c'est pas mal, comme ça on sait où on est à chaque fois. Bah ouais, ça va plus vite que l'histoire des cartes et tout. Ouais, ça progresse, nickel. Du coup, bah c'est à Smax. Allez, Smax! Et voilà. C'est beau ça. Très beau. Allez, il meurt. Il meurt. Ah, il est énervé le dwarf. C'est donc aux éclaireurs. Qui va se normer. On va essayer de toucher le clerc, l'elfe, le nain et le barbare. Encore pour moi, quoi. Donc le clerc est là, ouais. Par contre, l'autre, ouais, bon, mais c'est bon, ça. Ça ne bouge pas vraiment. Ok. Ok, celui-là attaque. Ouais. 2 dés blancs. Il ne fait rien. Très bien. Et donc l'autre c'est sur l'elfe. Il ne fait rien non plus. Ah bah c'est... Si vous voulez des jets de dés, demandez-moi. C'est à moi de jouer, bah j'ai peur que c'était lui qui a coupé. Seul. Ok, ça progresse, nickel. On s'en sort plutôt bien, moi, je trouve. Allez. Deux crânes, tu lui fais là dans la gueule. Pardon. C'est le brigand. Ouais, il se défend de un, donc il meurt. On va voir les brigands. Du. Ok, super. Bon. Ah, mais voilà. Bien. Bah, maintenant, on peut voir ce qu'il y a comme ville. Comme truc en ville. On peut les dépouiller ou non? Bah non, ils avaient rien, c'est pour ça qu'ils nous ont attaqué. C'est pas faux. Il y a l'apothicaire, hein. Je sais qu'il y a pas mal de potions. Ouais. Bah je dirais, faudrait peut-être qu'on en revende pour avoir de la thune et acheter des...
Ouais, j'ai du désherbant. Il y a le demeure des nobles pour essayer un... Voilà. Ouais, essayer d'aller voler des trucs. Les docks, on peut s'amuser à faire une un pari, mais bon. L'auberge, ça nous coûte beaucoup. Les docks. On va faire une étape. Mais ça coûte 200 balles. Donc. Ou alors on peut se faire des parties de dés. L'auberge, on n'en a pas vraiment besoin, effectivement. Non. Moi, je proposerais qu'on aille vendre quelques petites potions, une ou deux au moins, essayer quoi. Dans un premier temps. Et puis après, on verra ce qu'on récolte et. Ben, mettez les potions du coup que vous voulez vendre sur la table. Regardez les guérisons. Ok, on a déjà 350, 400, 550 si tout marche nickel. Ah ouais, c'est pas trop. Mais si bon, faudra négocier quoi. Ouais, bon, ouais, ouais. Stabilité, je suis pas trop nul quand il faut un crâne. Il y en a d'autres là, qui sont bien. Il y en a d'autres qui sont bien, peut-être. Barbare. Non, moi j'ai en négociation. Et le nain encore. Moi je peux intimider, mais bon, ça marche pas quoi. Eh ben vas-y David, hein, essaye de négocier tes désirements. Moi j'ai un bouclier blanc. Hein. Ah ouais, merde. Oh, bah, c'est moi qui m'y colle. Je te les file. Bon, celui-là est négocié, ça me fasse mal. Celui-là par contre, non. Donc il veut pas l'acheter. Bah je sais pas quoi faire moi. Ouais, j'ai juste appuyé sur... Le remède 150. Ouais, il le prendrait. Vous prenez les pièces. Le remède c'est quoi? C'est... Il était en double celui-là? Ouais, ok. 100 pour le désherbant et 250 pour l'instant. Et ça je le récupère du coup? Ah non, ouais, c'est là que tu l'as récupéré. Ouais, ouais. Et on veut pas. Ouais, c'est ça. Trop cher pour lui. Et la résistance, c'est bon, c'est négocié, ça fait 250. Oh là là. Bien ça. Pas mal, pas mal. Avec les 25 et 25 qu'on a avec le nain et moi, on a 50 de plus. Voilà nos pauvres petites économies, quoi. La triste histoire des héros, quoi. Je te mets les 50 pièces S-Max sur la table et avec ça on verra le bien. Le petit cœur, on peut plus y aller. De toute façon, l'armurerie, on va pouvoir acheter un truc ou deux, grand maximum, et voilà, hein, je pense, pas plus. Hein. Ben ouais, carrément, hein, il faut s'équiper. C'est un armure. Ouais, l'armurerie, ça se tend bien. Ouais, déjà une arbalète, mais il n'y a pas de carreau, une bague, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tout ça, c'est pas bon, prendre que des armures. Ah, ben on va chercher le deck direct en haut, là. Ah oui, mais que ce soit random, quoi. Ouais, ouais. Il y a celle-là. Là. Quand tu fais fine, tu vois pas les choses dans un ordre précis, hein, tu vois l'ordre du paquet. Donc c'était déjà fait random, ah ouais, mais c'est random. Ah, d'accord. Ben, il m'en manque deux, alors. Bouclier, ça compte? Bah c'est que ceux qui ont des icônes boucliers. Tu vois, en bas à droite de la carte. C'est cher. Si ouais, c'est cher. Ouais, ça compte, alors. Si on arrive à négocier, ça va, mais bon, après... 2, 3, 4, 5... Et une cape. Pas mal, la cape. 550 pièces d'or en tout et pour tout. Ok. On n'a pas 600 parce qu'on avait déjà 50. Ben si, ben 600, ouais, exact. 600 tout rond. Eh ben je vais essayer de négocier le bouclier, vous en pensez quoi?
Ah, il y en a deux en plus. Il y en a deux. Il faut que 4 hein, des cartes. Ah non, 6. Ah, je tente de négocier un bouclier. 5-5. Ok, tente la négoce. C'est 5. Ok, c'est le bouclier. Ouais, c'est bon. Écoutez, okay. Brave marchand, votre bouclier il est quand même un peu cher, hein. Ça fait moitié prix là. Donc ça fait 175. Ouais. Je laisse faire la pointe, regarde. Allez, 150. Je vais faire de la monnaie à la banque. Et du coup, je dirais. On le file au nain, le bouclier, non? Non, non, c'était bon. 150. Et si, il faut faire quand même de la monnaie, quoi. 400 balles là. Ok, ça c'est pour le vendeur. Il nous reste 425. Et de négocier un autre bouclier. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai déjà une armure à faire, donc. Il y en aura un pour le nain, un pour le barbare. Ouais. Enfin, un pour même quelqu'un d'autre. Parce que c'est celui-là qu'on achète. Parce qu'en fait c'était 5 cartes, donc du coup j'ai retiré un bouclier. Ah, non, il y avait que 5 cartes. Ah oui, ok, bon bah. Vas-y, S-Max, prends-le. Mais il y en avait deux boucliers. Non, il fallait 5 cartes, ouais, c'est bon, pas 6. Ah, ouais. D'accord, d'accord. Bah, la bah, carte, je vais, ouais. Je vais négocier la cape. Hein. La cape, ouais. Pour l'aide, ça pourrait être mal. Aïe, bah non. Point d'esprit, peut-être plus, non, ça marche pas. Il veut plus la vendre. Ok, il veut plus la vendre, direct. Bien, c'est bon. Le reste c'est trop cher. Bah, après, ouais, c'est... 550, on est plus qu'à 425 hein, de toute façon. Bah à moins que Rogard revende son armure. Ouais. À quoi ça servirait, je ne sais pas. Non, là c'était 425. Le vert c'était plus intéressant que le blanc. Ah non. Ah non, non, on est à 300. On est contre de blanc, je suis pas certain. On est à 375 en fait. Il a une armure, honnêtement, moi je l'attends pas. Ouais. On s'en tient là alors. Ouais. Alors qu'on économise un peu quoi. Bah ça suffit. Ou alors on essaye de piller la demeure du noble. Ouais, oui, ça, oui, oui, ça oui, me tente oui, bien. Exact. Mais il faut quelqu'un qui soit aussi bon en agilité qu'on a en dextérité. C'est une mission pour le nerf. Exact. C'est vrai ? Non, pas du tout. Non, quoi que dextérité. Je vais regarder mon jeu, mais à mon avis, un clair. Joli. Moi c'est même pas la peine, j'ai que des boucliers noirs dans les deux. Moi j'ai un bouclier noir en agilité, mais j'ai un crâne en dextérité. J'ai deux crânes, je vais vous le faire, votre bonne. Je ne sais pas trop vos manières, mais... L'elfe il est bien dans les deux, quoi. Dextérité, un bouclier, agilité, un crâne... Hein. Ouais, pour vous attends, c'est pour l'elfe. Hein. Allez, je réponds cette marine. Allez, l'elfe met sa cagoule. Tu risques d'être hors la loi, fais gaffe. Tu prends ça de prix. J'ai pas signé mon attestation. Oui. Aïe 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 aïe. Ah, eh ben, j'utilise un point d'esprit. Ouais, carrément. Quelqu'un ouais, peut attends, attention, attention, tu triches là quand même. Parce que c'est deux tests. Quoi que pour un point d'esprit, t'as relancé tes deux tests. Ah, donc, j'en relance un, on recommence tout et j'en relance un. Ouais, eh ben, c'est bien raté. Ouais. J'ai perdu un point d'esprit et j'ai raté les deux tests. On aurait dû envoyer le nom. Du coup, tu prends une carte hors la loi. Mais il n'a pas raté les deux tests, si. Bah, il... Comment si. Disons que t'as relancé le crâne alors que t'avais un bouclier, mais... Mais il avait un crâne, donc c'est bon. Ben oui, mais il a relancé le crâne. J'avais triché. Ouais, il a triché. Hein. Ouais. En fait, il aurait dû lancer les dés l'un après l'autre, parce que c'était deux tests différents. Ouais, je peux te dire un autre de points d'esprit, alors. Exact. Exact. Oui, oui. Ben oui, parce que tu t'en as utilisé que pour un. Hein. Bon, alors... Et voilà, j'en ai un. Ah. La loi. Bon bah tu laisses ta carte hors la loi et tu pioches deux équipes. Oh ben voilà. Qu'est-ce que le paquet avant peut-être. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau quoi.
putain. Oh putain, c'est de la merde. Ouais, les allumettes pour allumer ta torche. Oui, exactement. Donc c'est déjà pas mal. C'est pour ça que j'ai pris. C'est un brique. C'est une action pour regarder la première carte. Il y avait des bourses d'or, mais j'ai préféré prendre les allumettes. Si, le carnet de voyage, il est bien. Que de l'utiliser. Et puis il vaut 500 boules, si jamais. C'est vrai. Le nain, par contre, moi, je serais partant pour qu'il fasse un petit jet de dés au doc. Hein. Je suis sûr, il va passer. Une partie de dés Ah ouais, ouais, ouais. Une petite partie. De rien, toi. Il nous reste une action de ville. Ah mais non, mais faut jouer, ça se joue, mort de rire. Tu prends, je sais pas moi, 25 ou 50, et puis voilà. Ah, misez 100, les mecs, vous êtes bah, allez, on mise 100, allez. Allez. Alors là, c'est un G6, hein. C'est un G6 et c'est à celui qui fait le plus gros. Ouais. Donc, on commence par moi ou par l'autre? Bah, vas-y, commence. Ah. Mais il a pas tourné, c'est hein. Juste... Ouais, il a pas tourné, non. Je suis d'accord. Bah, il faut le relancer, vas-y. Mais en fait, il avait un peu tourné avant. Hein. Là il tourne. Ah, merde. Voilà, c'est comme ça qu'on en servait. Bon bah on perd 200 balles. Ah bah c'était une mauvaise idée. Bon. Putain, je prends des risques pour vous, allez voler des trucs chez les marchands et c'est n'importe quoi. Donc dans les règles révisées, ce qu'on peut faire après, c'est que on peut avancer le marqueur événement pour la prochaine quête et du coup refaire des actions de vie. Mais je pense que là on a fait le tour, à moins qu'on se paye un navire et qu'on fasse une étape de ville. Si on... Là il nous reste 275. Hein. Si on a vu ce qu'il faut. Et on pourra rien faire après. Je sais pas si et c'est tant judicieux que ça. Mais... Ouais, vu qu'on a pas beaucoup de fric, c'est pas... On va en rester. On va rester là. Ok. Là, on va. Donc il nous reste combien ouais. d'argent là 275 pièces d'or. Ouais. On a pu choper quoi? Des allumettes, un bouquin de quête et un bouclier. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas trop mal en soi quoi. Là déjà, le nain il a 3 dés maintenant en défense comme le clerc. L'elfe reste un petit peu léger, mais il a quand même des torches, il peut l'allumer. Voilà. Ouais, ouais. Il y a pas mal de potions aussi, hein, donc encore des guérisons. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Une cape, on peut voir la cape. Mais c'est sympa parce que ça donne vraiment un sentiment de... Genre, voilà, les aventuriers qui n'ont rien et qui essaient de récolter ce qu'ils peuvent et ils repartent comme ça. Et c'est ça, quoi. Ouais. C'est sympatoche, quoi. Mais ouais, du coup, t'avais trop d'objets, David. Ah oui, par rapport à ses points de vie, tu parles. Ouais, il en a 7 avec les potions et il peut en avoir que 6. Mais compte pas les potions, non? Si, si, à compte. C'est Beza, c'est possible. Ah oui. Bah désolé, je vous en avais filé une du coup, c'est pas grave. Ouais. Ouais, soit ouais, ça serait plus intelligent de se les répartir dans ce cas-là. Hein. Effectivement. Que de les gérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais non, faut vous en filer une en fait. Oh, bah je vous refile une guérison. Ouais. Qui c'est qui a utilisé ces guérisons? Moi j'en ai deux déjà. Barbare, bah, je vous refile le barbare. Ok, ouais. Ça marche, merci bien de ton... de ta générosité. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette quête. Malheureusement, c'est un échec, mais nos héros sont encore vivants. Nous avons fait cette étape ville avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Le meilleur est à venir. Des bisous, à plus tard.